Attendez. Malade, je n'arrive même pas à lire, je compose la semaine prochaine. Laissez-le. Il est malade, il n'arrive pas à lire et il compose la semaine prochaine. Je dis si advance level, j'ai mal à la tête. Et vous croyez que si j'ai pris, vous allez lire sans problème? Je le crois, papa. Oh là là. La Bible dit qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans a touché Jésus sans que Jésus ne prie pour lui. Elle a été guérie. Regardez ce garçon. Il va composer bientôt. Mais il ne peut plus lire. Et il a touché mon vêtement. Et il a touché mon corps. Pour vous prouver que je ne suis pas un homme normal, mais un esprit envoyé par Jésus-Christ pour annoncer les oracles de Dieu au Cameroun. Apportez une Bible. Apportez-moi une Bible. Donnez-lui. Non seulement il va réussir, il sera guéri et il va réussir, il obtiendra troisième de son centre. Donnez-lui une Bible. La Bible. Où est la Bible? Lève-toi, mon fils. Lève-le. Donnez-lui qu'il ouvre. Donnez-lui. Ouvre-lui. Tu es trop juste et éternel pour que je confesse avec lui. Je veux anéantir. Je veux néanmoins t'adresser les paroles sur des jugements. Tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine. Ils croisent, ils portent du fruit. Tu es près de leurs racines. Tu es près de leur bouche. Mais loin de leur cœur. Et toi, éternel, tu me connais. Tu me vois. Tu sens de mon cœur. Qui est avec toi? Élève-les comme des brebis qu'on doit égorger. Et prépare-les pour le jour du carnage. Amen. Praise God. Va. Go. Je t'élève au rang de troisième de ton centre par la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es free. Tu es libre.